cher enfant, il ne faut pas se cacher derrière les portes. C'est grossier. Et on pourrait se demander ce qui t'amène dans ma tanière. Ainsi donc, tu es là parce que tu éprouves une attirance pour un humain, un prince, m'a-t-on dit. Je ne t'en ferai pas le reproche, il est plutôt agréable à regarder. Bien, mon ange des mers, la solution de ton problème est simple. Pour obtenir ce que tu souhaites, il te suffit de devenir humaine toi-même. Et vous pourriez faire ça ? Ma chère petite sirène, je le fais chaque jour. J'y consacre mes efforts, aider de mon mieux le peuple de la mer, les cœurs qui souffrent, les pauvres âmes en détresse qui n'ont personne vers qui se tourner. Je n'ai pas toujours été gentille et sincère. J'ai vraiment mérité le nom de sorcière. Mais vous verrez qu'aujourd'hui, je suis bonne avec autrui. Repenti, j'ai voulu faire marche arrière. Oui, oui. Il est vrai que je connais un peu de magie. C'est un talent que j'ai toujours possédé. Qu'aujourd'hui, par bonté d'âme, j'ai mis, je le proclame, au service de tous les corps désespérés. Pathétique. Pauvre moi, perdition. Oh mal de tout. Cette âme-là rêve d'être un squelette, l'autre cherche une amourette, et moi, qu'est-ce que je dis ? Je dis oui. Toutes ces âmes en perdition, en mal de tout. Elles débarquent dans mes chaudrons en broyant « Ursula, sauve-nous !» Et moi, j'accepte. Quelle question ! Il est tout de même arrivé que l'une ne puisse pas payer et que j'avoue l'avoir fait frire sans compassion. C'est vrai que j'ai eu des plaintes, mais tout compte fait, je suis une sainte pour toutes les âmes en perdition.